Un coup d'œil à présent sur les journaux du jour et nos confrères de la presse écrite ont largement fait écho du processus de mise en place des organes de la transition avec les assises nationales qui ont débuté ce matin. La revue de presse de Vincent Kendrebeogo. Les assises nationales de la transition au Burkina à la une des quotidiens. Assises commando à la salle des banquets. Titre l'observateur Palga. Les concertations qui se tiennent aujourd'hui devraient aboutir à l'adoption de la charte et de l'agenda de la transition, ainsi que de la charte des valeurs. Plus de 9000 contributions ont été reçues par la commission technique chargée de l'élaboration des propositions et 3 projets de texte ont été présentés au chef de l'État, lesquels seront débattus par les participants aux assises nationales, rapporte l'Obs. En attendant les amendements, le pays publie le contenu de la charte de la transition. Le MPSR avance-t-il masqué? Question du journal qui souligne que Damiba et ses collaborateurs devront tout faire pour ne pas fâcher leurs compatriotes qui ont déjà une sensibilité à fleur de peau. C'est dire que la tâche qui attend le président du Faso, Paul-Henri Damiba, sera de plus ardue au regard de la percée des terroristes sur quasiment tous les fronts, alors que les Burkinabés attendront au virage dangereux, encore plus exigeant par rapport au respect du code de la route, pour ne pas dire la feuille de route de la transition, que le nouveau Premier ministre devrait présenter à l'organe législatif les jours à venir, écrit le journal Le Pays. Et pour aujourd'hui au Faso, qui croit être dans le secret des dieux, le Burkina pourrait avoir son nouveau Premier ministre dès ce soir et le gouvernement dans la semaine. Sauf que le journal est pris de court par l'information de dernière minute qui a annoncé le report de l'investiture du président du Faso qui devrait intervenir ce lundi. En attendant, Damiba aura fait un sans faute, réussissant à ne pas se faire taper dessus par la communauté internationale, la CEDEAO en tête. Un sans faute s'il n'y avait pas eu ces polémiques par rapport aux prestations de serment sur la Constitution et sur la Charte et par rapport à l'affaire Ibrahim Maïga. Après une analyse du processus en cours, Sidoya conclut dans son édito que les Burkinabés, assaillis de toutes parts, tiennent le MPSR au mot et n'attendent rien de moins que la relance rapide et véritable de la machine administrative, sécuritaire, économique, etc. et les jalons de la refondation.